Les voitures modernes pèsent en moyenne une tonne 5 environ. Les voitures maintiennent le contact avec la route uniquement via leurs pneus, lesquels couvrent une superficie de seulement 170 cm2 par roue. Ceci représente environ la taille d'une carte postale. Mais que se passe-t-il si un ou plusieurs de ces pneus sont mal gonflés En cas de trop faible pression de gonflage, le pneu n'est pas complètement en contact avec la route. La zone de l'épaulement extérieur du pneu subit une pression accrue, causant la courbure de la zone centrale, ce qui se traduit en général par une diminution de contact entre le véhicule et la route. À l'inverse, les pneus gonflés correctement ont une surface de contact nettement plus grande, car la pression est répartie de manière uniforme. Un contact maximal est alors réalisé avec la route sur la totalité du pneu. Une faible pression des pneus peut avoir des conséquences désastreuses pour la sécurité et risque de causer des dommages permanents aux pneus. En cas de trop forte pression des pneus, le surgonflage réduit le contact entre la route et la zone de l'épaulement du pneu, ce qui pourrait entraîner l'usure centrale des essieux moteurs. Cela entraîne à son tour une diminution de contact avec la route, d'où une réduction du confort au volant qui peut avoir un impact négatif dans certaines conditions. Pas le seul élément à jouer un rôle majeur dans la pression des pneus. La durée de vie du pneu, la consommation de carburant et les émissions sont aussi étroitement liées à la bonne pression des pneus. Des études ont démontré qu'au moins 35% des automobilistes roulent avec des pneus mal gonflés. En raison de la plus grande résistance au roulement qui en découle, environ 3,1 milliards de litres de carburant sont consommés inutilement à travers toute l'Europe. Même une diminution de la pression de gonflage de 0,6 bar entraîne une augmentation de 4% de la consommation de carburant. Autrement dit, un kilométrage annuel de 12 500 km représente un coût supplémentaire de 64 euros par véhicule et ce, chaque année. Examinons maintenant de plus près les réglementations internationales pour les systèmes de surveillance de la pression des pneus. Le problème de la pression des pneus est de notoriété publique. De nombreux pays ont déjà rendu obligatoires les systèmes de surveillance de la pression des pneus. Aux États-Unis, ils sont obligatoires depuis 2005. En Corée du Sud, ils ont été imposés pour les voitures neuves à partir de 2013 et à partir de 2015 pour les véhicules existants. La Russie envisage de les introduire le 1er janvier 2016. D'autres pays sont toujours en discussion. La Chine recommande depuis 2009 les systèmes de surveillance de la pression des pneus. L'Indonésie, Israël, la Malaisie, les Philippines et la Turquie envisagent de rendre obligatoire un système de surveillance de la pression des pneus pour les voitures importées à partir du 1er novembre 2014. Le Japon discute également de l'introduction du système. À compter de novembre 2014, toutes les voitures particulières neuves, immatriculées dans l'Union européenne, doivent être équipées d'un système de surveillance de la pression des pneus. En plus de réduire la consommation de carburant, la sécurité de freinage et la stabilité de la conduite seront nettement améliorées grâce au système de surveillance de la pression des pneus. Mais quels sont exactement les véhicules concernés En Europe, il est question de la catégorie de véhicules M1. Celle-ci comprend tous les véhicules. Actuellement, il existe deux systèmes différents pour détecter la pression basse des pneus. Les systèmes directs et indirects de surveillance de la pression des pneus. La définition actuelle de l'UE autorise les deux systèmes. Mais quelle est la différence entre les deux offres Examinons de plus près les deux systèmes de surveillance de la pression des pneus. Tout d'abord, le système indirect qui repose sur les rotations des pneus. Celles-ci sont comptées par l'unité de commande ABS ESC. Avec ces données, le système calcule si la pression des quatre pneus est correcte ou pas. Si l'un des quatre pneus présente une pression trop faible, le conducteur en est averti le système indirect reconnaît la différence de circonférence et calcule la diminution de la pression de gonflage il donne un avertissement dès que la pression du pneu est inférieure à un écart de pression maximal fixé par le constructeur du véhicule le conducteur doit alors arrêter son véhicule et vérifier les pneus et leur pression si le problème est résolu le système doit être recalibré et le voyant d'avertissement s'éteint à présent Observons le fonctionnement du système de mesure directe. Dès que la pression tombe sous la limite d'avertissement, le conducteur en est informé. Il est immédiatement averti du pneu concerné et de la pression actuelle de ce dernier. La raison en est qu'avec le système direct, chaque pneu possède son propre capteur qui envoie ses données individuelles de manière centralisée vers l'unité de commande. Ce module signale immédiatement les variations de la pression des pneus au conducteur. Si la pression des pneus est inférieure de 0,1 bar à la limite d'avertissement, un signal supplémentaire est transmis au conducteur. Le système direct peut détecter la perte progressive de la pression des quatre pneus ainsi qu'une perte soudaine de pression d'un même pneu. Ceci signifie que le conducteur peut réagir plus rapidement à une perte de pression. Continental se concentre sur le futur développement des systèmes directs de surveillance de la pression des pneus. Qu'en est-il dans la pratique Tina Tire se rend chez le spécialiste des pneus pour faire remplacer ses pneus d'hiver pour la première fois. Le vendeur constate que la voiture de Tina est équipée d'un système de surveillance de la pression des pneus. Il explique à Tina ce qui va se passer à présent. Tout d'abord, avec l'aide de l'appareil de diagnostic Contisys Check, le mécanicien va déterminer le système auquel il a affaire exactement. Les pneus d'hiver neufs doivent également être munis de capteurs appropriés. Le mécanicien transmet le résultat du diagnostic au vendeur. Il retrouve ensuite le modèle de capteur approprié dans l'ordinateur. Il se réjouit de la nouvelle technologie, les capteurs contribuant résolument à la sécurité routière. Mais il explique aussi à Tina que les coûts de remplacement sont maintenant un peu élevés et qu'il faudra quelques minutes de plus. Enfin, le mécanicien doit procéder avec prudence pour éviter d'endommager les capteurs avec les machines de remplacement des pneus. Lors de l'achat d'un jeu de pneus et de jantes flambant neuf, comme c'est le cas pour Tina Tire, de nouveaux capteurs sont toujours nécessaires et par conséquent, les capteurs ne peuvent donc pas être réutilisés. Il en irait évidemment de même après un accident lors duquel un capteur aurait été endommagé. Sinon, les capteurs ont généralement une durée de vie allant jusqu'à 10 ans en fonction du kilométrage parcouru. Le vendeur explique à Tina que ces deux jeux de pneus sont à présent équipés de capteurs. Cela élimine tout temps d'attente supplémentaire à l'avenir. Si les pneus usés sont remplacés, les pièces usagées du système de surveillance de la pression des pneus seront alors immédiatement échangées et les capteurs seront contrôlés par un spécialiste des pneus. Tina Tire ne remarquera pas le temps supplémentaire nécessaire. Lorsqu'elle viendra faire poser ses pneus d'été au printemps, la majeure partie des travaux aura déjà été effectuée. Le mécanicien aura vérifié les capteurs avant même l'arrivée de Tina au garage. Pour ce faire, il utilise un kit de service qui contient toutes les pièces ad hoc pour l'entretien. Pour des raisons de sécurité, celles-ci doivent être remplacées lors de chaque changement de pneu sur les capteurs de la valve, ce qui ne représente cependant qu'un coût très faible. Tina est aux anges. L'échange prend plus de temps que par le passé, mais le mécanicien effectue le travail supplémentaire avant même l'arrivée de Tina au garage. Le temps d'attente réel reste aussi court qu'auparavant. Le vendeur l'informe de la présence d'une pile à l'intérieur du capteur. Celle-ci a une durée de vie de 10 ans mais sera vérifiée lors du changement de pneus. Si la pile n'est plus suffisamment chargée, le capteur sera alors remplacé. Tina est désormais pleinement informée. Elle connaît toutes les caractéristiques de sécurité de ses pneus et sait pourquoi elle devra payer un peu plus à l'avenir pour des pneus neufs. Quelle est la situation concernant les systèmes de surveillance de la pression des pneus en Europe en novembre 2014, 100% des véhicules neufs seront équipés de systèmes de surveillance de la pression des pneus. En résumé, Continental est un fabricant de pneus et l'une des références en matière de développement de systèmes technologiquement innovants pour l'industrie automobile. Ceci offre de nombreux avantages pour le futur développement des pneus et des systèmes de surveillance de la pression des pneus. Les prochaines étapes sont déjà planifiées. En 2014, Continental lancera une application multicapteur sur le marché. Ce capteur facilite particulièrement les opérations de remplacement pour les vendeurs de pneus. L'entreposage et les coûts seront optimisés et ce capteur pourra être facilement fixé à la surface intérieure du pneu, et ce, tout en diminuant la durée de service. Et l'avenir reste passionnant. Nos capteurs seront bientôt en mesure d'offrir bien plus qu'une simple mesure de la pression des pneus. Nous travaillons actuellement sur des solutions pour la collecte et l'évaluation d'informations importantes pour la sécurité routière. Nous entendons également rendre ces données accessibles, où que vous soyez, par exemple directement via le smartphone ou la tablette de nos clients. Dans les ateliers, nos partenaires bénéficient de cette force particulière de Continental en tant que fournisseur de systèmes, tout autant que les utilisateurs de nos produits en bénéficient dans la circulation routière. Une excellente raison pour vous procurer des pneus auprès de Continental.